et c'est parti pour le Québec. Pour le premier défi, c'est, ça s'appelle Hug or Slap. L'idée, c'est que j'ai un bandeau, une pancarte, et ce soit les gens qui peuvent décider s'ils peuvent me foutre une baffe ou me serrer dans leurs bras. Mais c'est vrai que ça fait peur à chaque fois, hein. Tu sens une personne qui arrive et tu sais pas ce qui va se passer. Deuxième journée au Québec, on se dirige vers Montmorency, on a plusieurs défis et activités à réaliser. Salut Catherine, tu m'as proposé de sauter les chutes de Montmorency. Eh ben je te remercie, 83 mètres de haut, ça va être non. La tyrolienne est annulée parce qu'il y a trop de vent. Alors maintenant, on va essayer de réaliser un défi proposé par Brigitte. C'est chercher des orignales dans la forêt de Montmorency. Défi échoué. Tu m'as proposé de faire un tour en Zodiac, il est là. On va partir maintenant à la découverte de la baie de Saint-Laurent. Alors, seule règle de sécurité à bord, on écoute le capitaine en cas d'urgence. Pour le reste, ce n'est pas une obligation. Mais est-ce que t'as peur? Alors voici le pont de Québec. Ici que ça commence! Il est 8h du matin, 3e jour au Québec, et là on va partir faire du canyoning. On va faire la cascade de l'île de Pâques dans la vallée Bras-du-Nord. Dormir dans une maison traditionnelle, une maison longue, et on va connaître un peu plus de leurs traditions et de leurs coutumes.
Alors Mohamed, tu nous as proposé de goûter un repas mandat. C'est parti. On va goûter, pour commencer, de la rillette de phoque. Gaspacho de serre. Là, on va découvrir une maison longue, on va passer la nuit, une maison traditionnelle. On n'a aucune idée à quoi ça ressemble. Oh, l'Écosse. C'est étonnant déjà comment c'est... elle est haute cette maison. Et il faut que ce soit haut. Il faut que ce soit haut à cause des fumées, entre autres. Yeah. Alors là maintenant, on va dans l'aquarium du Québec. On m'a proposé un défi, c'est une surprise. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des phoques. Elles s'en mêlent pas des fois. Voilà la première vidéo du Québec, il y en a beaucoup qui vont s'enchaîner. Maintenant on arrive au Québec maritime, on va passer quelques jours. Si vous voulez suivre les vidéos, devenez des suisseurs en s'abonnant à la page YouTube. Si vous voulez influencer l'aventure, allez sur la page Facebook. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. What's up?